Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre aventure horrifique sur Evil Within 2. Et on avait fait une première sortie nocturne qui s'était plutôt bien passée. Comme d'habitude, je vous conseille de fermer les volets, d'éteindre les lumières, de mettre un casque ou des écouteurs pour être en totale immersion avec le jeu et moi-même. Et je vous conseille aussi fortement une petite collation, de quoi boire au cas où votre bouche devient bien évidemment pâteuse. On en était au chapitre 3, résonance, et on avait trouvé un sniper cassé. C'est bien triste, je sais où est la pièce pour le réparer, on va le réparer, et après on va filer vers le boss, tout simplement, enfin le boss. C'est pas exactement ce que c'est, ni ce qui nous attend, mais la voix de la petite fille. Je suppose que c'est un boss, je suis même quasi sûr, je mettrai ma main à couper pour dire que c'est bien un boss. Donc nous sommes toujours à la planque d'O'Neill. Pas besoin d'aller voir O'Neill cette fois-ci. On a tout fait lors de l'épisode précédent. On peut directement aller dans le cœur de l'action. Donc souvenez-vous, voilà, on avait notre sniper cassé. Ça, c'est totalement incroyable. Et on savait que la pièce était tout simplement au nord-ouest de la ville. Le nord, c'est en haut, hein, vous l'avez compris. Et l'ouest, c'est là-bas. Mais en fait, cette ville est gigantesque. Je n'avais pas vu cette partie. Et la voix de la gamine est là-bas. Oh. Non mais attendez, là on part sur une deuxième sortie nocturne les gars, c'est pas possible. En une vidéo on va pas pouvoir tout fouiller, non non, oh là là, j'aime pas ça. Ok, on retourne au train les gars, on retourne clairement au train. Et je suis quasi sûr en plus que des ennemis ont repop, non? Ah par contre j'ai l'impression que non. Oh la bonne nouvelle. Oh la très très bonne nouvelle. Les ennemis ne repop pas, merci. Merci d'avoir fait un jeu comme ça, oh là là. Oh ça peut paraître con pour vous mais... Oh putain. Attendez, je vais parler un petit peu trop vite. Non, j'avais souvenir qu'il y avait un ennemi ici que j'avais pas fait. C'est horrible leur déplacement. Leur déplacement à ces monstres est ignoble. C'est une souffrance, les amis. Comment tuer un mec qui se retourne tout le temps? J'ai trouvé ma solution, elle est là-bas. Ok, on va éteindre la lumière. J'aurais dû rester près de ce petit truc vert. On est pas mal. On est pas mal, ça me plaît bien. Chaque monstre est un enfer, hein, les gars. C'est 3-4 balles dans la tête. Et les balles, on les trouve par 3. C'est un petit peu terrible. Ok, on va se coller ici. Oh, il a une sacrée gueule, en tout cas. Il a une sacrée gueule. Faut partir, monsieur. Et en plus, il reste pas longtemps ici. C'est bon! Lui sait faire, on n'en entendra plus parler. J'avais souvenir qu'il y avait quelqu'un qui traînait dans le ghetto. Donc direction notre pièce, sniper, je sais pas ce qui m'attend. Je sais qu'il y avait rien, que c'était safe là-bas. Les gars, de toute façon, on va pas se mentir, il va falloir ratisser l'intégralité de la ville. Il va falloir vider toute la ville. Ça, j'ai toujours pas compris. Ça, si quelqu'un peut m'expliquer cette résonance, les gars, j'ai toujours pas compris. Il va falloir ratisser l'intégralité de la ville, les gars, pour après pouvoir discuter, vous et moi, de choses sensées et sympas. Attendez, là, y a un monstre là-dedans ou pas? Sinon, moi, je passe par là. Hein. Y a des rats. On va passer par ici. Y a une main, un bras. Ah, mais en fait, d'accord, ok, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur, c'est lui qui s'est séparé. Il en a eu marre, il savait pas quel chemin prendre. Il a dit, on se sépare. Y a strictement rien. Ok, on peut voir l'autre bout du train. Y a... Oh! Oh là là, j'ai failli faire une petite erreur. Un masque mystérieux. Vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant. Mais n'arrivez pas à savoir ni où, ni quand. En tout cas, ça a l'air plutôt chouette. Donc, vous décidez de le garder dans votre salle. D'accord? Qu'est-ce que ce masque mystérieux, les gars? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Ça serait sympa. J'aimerais bien faire le jeu, pas à 100%, mais en approfondi. Donc, on essaye d'aller voir. On ira voir, vous savez quoi? On ira voir dans la salle. Il y a tellement de choses. Ok, on va passer par ici. Je marche, les gars, parce que je sais pas du tout ce qui peut me... Je sais... Ah, il y a des caisses, c'est pas mal. Ah! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce putain de délire? Ok. Il m'a fait tellement peur! Ok, ça, on prend tout, hein. On prend tout, les gars. Je sais pas si on va sortir vivant de cet enfer. Mais je prends... Il y a de l'air dans la transfert d'île, je suppose. Ah! Pièces détachées supérieures. Ces composants sont de meilleure qualité que les pièces détachées standard. Voilà, c'est plutôt cool.
Ok, c'est ce qui permet de passer une arme niveau 2. Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Là, c'est pas mal encore une fois. Une petite sortie vite fait. Donc, on va récupérer notre pièce de snipe. C'est le plus important pour moi. Ok, là, y a rien. J'ai cru qu'il y avait quelque chose. Oh, ça m'a mis la bouche pâteuse instantanément, le cadavre, là. Genre, réellement, les gars, j'étais tellement pas prêt. Ok, on peut se cassos. Les rames font pas peur. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Ok, on va passer par ici. Donc, les gars, on est déjà rentré dans ce train-là et on sait qu'il y a quelque chose au bout. Donc, c'est... Oh là, c'est tellement loin! On a fait un tiers des wagons. Oh, il y a tellement de choses dans ce jeu. C'est donc ça, l'enfer sur Terre. On va localiser ça. Cartouche de fusil à pompe. Cette chose me traque, un fantôme. Vous déconnez les mecs. Et le fantôme est ici, mais vous déconnez totalement. Point de résonance. Je veux une pièce de sniper. Et vous m'emmenez en enfer. Ok. On va respirer. Je vais plus dans les trains, c'est terminé. Oh putain. Qu'est-ce que c'est? C'est par ici le fantôme. C'est par ici, mais on s'en bat les couilles. Je suppose que c'est dans le wagon, les gars. Je m'en bats littéralement les reins, ok? Je suis pas venu ici pour souffrir. Après, vous allez me dire, vu qu'on est en monde ouvert, je peux courir très loin. Très loin, peut-être même trop loin. Oh là là, mais cette ville est gigantesque. C'est quoi ça? Non, non, non. Non, on n'y va pas. On n'y va pas, on reste calme. On reste tranquille, les gars. C'est quoi ça? C'est une voiture. Je sais que c'est cette voiture. On reviendra peut-être plus tard. Je veux ma balle de snipe. Qui est juste derrière. Ici, cet entrepôt. D'accord? Et c'est une maison, putain de merde. C'est une putain de maison! Ok. Les gars, je vous avoue que ça commence à devenir... Una poco complicated. Oui, je mélange l'anglais et l'espagnol. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, cousin? C'est la première fois qu'on entend un bruit venu de... Venu de la mort elle-même. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Vous êtes totalement cinglés! Ok, on va changer de carreau. On va prendre un carreau harponneur. Ça me paraît pas mal. J'en ai en stock. Oh, vous êtes fous. Je vais me faire découper, les gars. Je vais totalement me faire découper. On va se crafter des balles de pistolet, hein. C'est pas grave, hein. Bah les couilles, hein. Vous savez ce qu'on dit, hein. Oh putain. Je suis vraiment venu ici pour ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les gars, on dirait un mec qui n'a pas bouffé depuis 30 ans. Ah! Ah! C'est quoi ça? Ah! Et réveille les morts! Quoi? Et vous êtes totalement cinglés! Oh non, bah c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Vous êtes totalement fou. Mais je peux pas. Il me faut un fusil à pompe, il me faut une arme, les gars. On me demande de tuer une femme qui réveille les morts, qui n'a pas mangé depuis sûrement 4 mois, avec un pistolet, 5 putains de balles, d'accord, et 2 carreaux harponneurs qui n'harponnent
Pas du tout. Donc ça va être terrible, ça harponne que les petits trucs. Non, 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 rendez-moi mes balles et mes carreaux harponneurs. On fait demi-tour, on se cassos, les gars. Elle n'est pas de notre niveau. Elle est beaucoup trop loin dans le turfu, d'accord? Ok, c'est bon, on revient par ici, ça me rassure un petit peu. Bon, je vais prendre les munitions de fusil à pompe. On va se balader encore un petit peu dans la ville. On va faire notre deuxième sortie nocturne. C'était terrible. C'était putain de terrible, les mecs. Réellement. Putain, j'ai vu quelque chose apparaître en face de moi, j'ai stressé. Ok, bon, les gars, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire tous les wagons, j'en ai rien à foutre. On va vider les wagons déjà. On sait qu'on sera tranquille à ce niveau-là. Non, et les gars, vous êtes fous, vous êtes fous. Les mecs, j'ai 6 balles dans mon pistolet et j'ai 3 putains de carreaux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est terrible. Elle était manipulée par un autre. Lui, je vais le harponner comme jamais. Oh, lui, il va prendre ce qu'il mérite. Hein. Il a fait une très grave erreur. Quoique, je peux faire une technique. Je peux faire une petite technique de Trafalgar. Non, attends, c'est pas ça que j'aimerais localiser quelque chose là. Non, pas la voix d'enfant. Ah là là, c'est sur la voix d'enfant, putain. Lui, je vois pas. Lui, je vois pas comment on va le faire. On va la harponner, on verra. Non, non, non. On va totalement pas la harponner. On va tout simplement pas faire les malins. On va essayer de la défoncer. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. J'ai totalement confiance en moi. Mais regardez leur mouvement. Est terrible. Leur mouvement est terrible. J'aurai jamais le temps. J'aurai jamais le putain de temps. C'est bon. C'est bon, les gars. Ok. Leur mouvement est terrible. Je laisse tomber. Hein. Ah non, mais l'autre, là, c'est hors de question, les mecs. On ne peut rien faire. Quoi? Quoi? Oh là là, putain de merde! Mec, c'est la meuf de derrière que je tue! Aïe! C'est pas vrai! Laissez-moi tranquille! On court de l'autre côté. On court de l'autre côté. Ok, on va reprendre le harpon. Oh là 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 là! Viens là, mon poteau. Toi, tu vas prendre ce que tu mérites. Voilà. Oh putain, oh putain, oh putain! Merde! On va aller prendre un café, hein. Ah bah, on va aller prendre un café, je vous le dis, les gars. Allez, allez, encore un coup de couteau! Encore un coup de couteau! Il ne m'aura pas! C'est un combat d'homme à homme! Putain, sérieux! Sérieux, sérieux, sérieux! Ils sont venus à 3, les mecs! Bon, je suis blessé, on va peut-être pas bouger, on va récupérer notre vie calmement. J'ai récupéré pas mal de gel vert dans cette histoire des enfers. Ça sauvegarde d'ailleurs par la même occasion. Allez, récupère ta vie, s'il te plaît. Normalement, je suis censé récupérer ma vie. Yes. Ah oui, c'est vraiment long, hein. Le jeu est dur. Le jeu est très dur, les gars. Oh, y a une résonance. Ça résonne. Oui. Cette chose de drague. C'était quoi? Un fantôme. Comment ça, je vais pas y arriver. Oh non, c'est elle, putain. Je suis incapable. Aide-moi. Le fantôme est ici. Ok. Gel rouge. Ce mystérieux liquide couleur sang sert à déverrouiller de nouvelles aptitudes. Non, 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 non. Ça, ça va lancer un truc. On reviendra plus tard. Non, je vais boire un petit café, les gars. Je vais boire un petit café à la planque, les gars. C'est pas possible. Non, non, vous êtes totalement fous, les gars. Vous êtes totalement dingues. Les gars, là, j'ai enculé deux... Oh là là, oh là là. J'arrête de parler. J'arrête de parler parce que, les gars, la vidéo sert à elle-même. Oh putain, c'est terrible. Bon, j'ai compris comment on actionne pour récupérer, je pense... qu'on va récupérer le fusil à pompe. On va boire un café, parce que j'ai mérité un petit café. Les gars, j'ai mérité un café, on va pas se mentir. Un petit expresso calmement. Voilà. On va récupérer le fusil à pompe. J'ai enfin compris comment fonctionnaient les résonances. Il faut être à côté et activer son commutateur
pour sûrement localiser où ils ont été ou en tout cas ce qu'il s'est passé. Donc on reviendra, j'ai eu peur. Ça fait peur hein, le truc rouge quand ça vient. On reviendra, il n'y a pas de souci. Les gars, on est déjà 15 minutes de vidéo, on n'a pas avancé dans l'histoire. Mais là, on n'a pas le choix, les gars, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, tout est au-dessus de nos espérances. Vous pouvez pas m'en vouloir, vous n'avez pas le droit. Vous avez vu le bordel, les gars, là-bas? Vous l'avez vu au nord-ouest, ce qui se passe, hein? C'est pas avec mes couilles et mon couteau, malgré qu'il soit énorme, je parle évidemment de mon couteau, qu'on va réussir à faire quelque chose. Donc on va aller voir O'Neill, je vais encore casser la porte parce que je suis énervé, et puis voilà, d'accord? O'Neill! C'est quoi ce bordel? On va prendre un café. Allez, un petit café, O'Neill. Oh non, c'est pas prêt. Le café n'est pas prêt. Le café n'est pas prêt. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, O'Neill, on va sauvegarder. On va sauvegarder, on va aller chercher fusil à pompe, on va essayer d'aller voir tout simplement ce qui nous attend, c'était à côté. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué, on a vidé quand même les trains, ça me fait plaisir. Ils étaient trois, hein. Par contre, le harpon, je suis un petit peu... Oh, il y a une part de déception, hein, on va pas se mentir. Hein. Ça doit se remplir ou ça doit se vider, en fait? Parce que si ça doit aller vers la gauche, je suis bien, le café est bientôt prêt. Si ça doit aller vers la droite, on est mal. Le café n'est pas prêt. Ok, on va aller améliorer nos armes, on va voir ce qu'on peut faire parce que là c'est un petit peu terrible. Je pense que clairement mon arc, ça va être mon fils, ma bataille. Donc, vitesse d'armement, ok. Carreau harponneur, peut-être la portée, ça peut être pas mal. Dégâts, 50% supplémentaires. Et là, ça coûte que 20 pièces. Ah non, d'accord, ok. Ok, non, j'ai 30 pièces détachées, ça m'en coûte 90. Bah alors, indiquez-moi combien ça m'en coûte, enfin, c'est ridicule. Ah, là, ça m'en coûte 25, la portée, d'accord, ok. Là, c'est bon, j'ai failli m'énerver. Je vous avoue que j'ai failli m'énerver, ça allait partir très très vite. Qu'est-ce qu'on va se faire? Carreau harponneur encore? Ça me paraît pas mal, hein, puisqu'on a débloqué que ça pour le moment. Ça me paraît pas mal et ça me paraît sensé. Le café n'est pas prêt, hein. Le café, on est cuit. On est cuit, les gars, et on va pouvoir y aller. O'Neill, je me casse! Ça va, hein? On va récupérer le fusil à pompe. Là, je pense qu'on est mort. Je vous le dis, c'est fini. C'est terminé. Je pense que c'est un pompe, hein. Attendez, ils ont parlé d'armes puissantes. On a déjà le sniper. On sait ce qu'il faut faire pour débloquer le sniper. Donc, clairement, normalement, ça devrait être un fusil à pompe. Sinon, je vois pas trop. Si c'est un pompe, ça me met bien. Pour surtout la jeune femme qui a une sacrée gueule. Donc, on va voir un petit peu le bordel. On va s'approcher près des résonances. Et on va pouvoir activer tout ça. Ça va être cool, on va s'amuser. Supermarché de Crimson. Ça fait plaisir que ça soit un petit peu open world quand même. Alors, ça fait plaisir, oui et non. Oui et non, je vais vous expliquer. Pourquoi? Parce que, bah pour vous, ça fait beaucoup de balades. Peut-être un peu trop de balades, peut-être un peu trop d'open world. Mais ça permet aussi de poser un peu les bases du jeu, d'y aller tranquille. De toute façon, ça va partir en couille, vous en faites pas. Mais cette fois, on peut... Aucune nouvelle de Mobius. On est livré à nous-mêmes. Je lance le protocole d'urgence Alpha 1. Tu sais quoi faire? Alpha 1? T'es sérieux? Les techniciens? Rien à foutre, ils se démerdent. On n'est plus avec les Marines. On n'abandonne personne, ça veut plus rien dire ici. Ça te pose un problème? Tu déconnes. J'attendais qu'une chose, c'était qu'on me lâche la bride. J'en ai marre de protéger des nerfs, de fuir comme une gonzesse. Parfait. Allez, on récupère les armes, on s'équipe et on fait le ménage. Que ce soit une ou une de ces saloperies, on déconne tout ce qui bouge. Bordel, mais c'était quoi? Quoi qu'ils puissent être, ils ont dû passer par là. Va savoir où ils sont allés. Hein? Ok. Eh ben, on sait où ils sont allés. Encore des signaux. Je ferais peut-être bien d'éviter ces deux-là. Ce sont des agents renégats. Mais d'un autre côté, j'ai besoin d'armes. Oh non. Examinez les deux points de résonance. Non, mais les mecs... Non, je suis pas d'accord. On va pas se battre déjà contre des humains. Enfin, on se bat contre la vie, déjà, de base. On se bat contre la vie et vous nous demandez de tuer des humains. Je veux juste... À la base, je suis venu, j'ai lancé cette vidéo pour boire un café, discuter avec vous, et vous me demandez de me fight contre des renégats. Réellement, les gars. Putain, ça va être terrible. Ça va être terrible, on va leur mettre ce qu'ils méritent. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en nous, parce que c'est notre projet. C'était ici, hein. Non, pas du tout, c'était derrière même cette maison. Oh, putain, je t'avais pas vu. Attends, toi, tu peux me régaler, toi. Toi, tu peux me régaler, ma grande, une clé de casier. Ah, non, c'est pas... C'est des boss. En fait, chaque... Oh là 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 là.
Ça va être un boss. Ça va être considéré comme un boss. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis, je vous le dis. Et est-ce que je me chie dessus? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Une petite hache, ça me ferait plaisir pour one-shot quelqu'un. Ok, on va chercher la clé de casier, les mecs. Ça me paraît être une bonne idée. Peut-être que ça va nous filer du gel, quelque chose pour custom un petit peu le cerveau. Et puis, on va pouvoir aller voir ces renégats. Je sais pas du tout ce qui m'attend, mais les gars, il y a qu'en y allant qu'on saura. Donc, c'est parti. Je vais ouvrir mon casier. J'espère trouver du gel, ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment cool. C'est juste à côté, les gars. On prend notre temps, il faut apprécier la vie. C'est des petites balades du quotidien. Après, à mon avis, ça risque de s'enchaîner quand on va s'enfermer dans un très grand décor, tel qu'un asile, par exemple. Ok, on est parti, c'est par ici. On va l'appeler la deuxième sortie nocturne, de toute façon, cet épisode, hein, je vous le dis, les gars. Ah bah, les mecs, on n'a pas le choix, hein, on est déjà à 22 minutes. Il s'est rien passé, mis à part qu'on s'est fait un petit peu botter le cul, quand même. Inspecteur Castellanos, c'est toujours un plaisir de vous voir. Ouais, c'est un plaisir, c'est vraiment... J'adore, j'ai jamais été autant excité que d'être ici. On va ouvrir celui-là ou celui-là? On va ouvrir celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Un kit, d'accord. Contient de quoi restaurer une quantité moyenne de santé, plus efficace qu'une seringue médicale. Vous pouvez fabriquer des trousses de premier secours avec des herbes. D'accord, c'est vrai que j'ose pas utiliser mes soins, mais je me dis, c'est ça qui est terrible dans un open world aussi, c'est que tu dis à chaque fois que t'es qu'au début du jeu, donc tu vas pas utiliser tes soins, mais il faut utiliser ses soins en fait, tu vois. Ok, 3000 gels verts, c'est pas mal, récupérer davantage de santé avec des objets de guérison, je pense que ça c'est le B.A.B.A. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Coup 4000, après on est totalement, bien évidemment, déshérité. Augmente la capacité maximum de la jauge d'endurance. Là, on a tout amélioré. On a tout amélioré, là. Là, on est pas mal. On est pas mal. Regardez notre... comment ça s'appelle? Un organigramme. Je ne sais pas exactement. Mais regardez notre courbe, on est propre. On peut se casser, les gars. On va sauvegarder juste à côté du miroir. Ça ne coûte pas plus cher de bien sauvegarder. Et puis, on va aller chercher le fusil à pompe, tout simplement. Je doute que le café soit prêt. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller voir si, la prise de caféine a bien augmenté dans la machine. Ça peut être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, sauvegarder, ça prend 2 secondes dans le jeu, ça c'est agréable. Hop, on se casse. On se casse. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Là, on est vraiment dans le B.A.B.A. du jeu, dans les bases, hein, de l'open world et tout. Quand on aura compris, on pourra farmer beaucoup plus vite, je pense. Au Nil, je rentre calmement. Oui, j'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds à force de faire tout ça. Ah, le café est bientôt prêt, les gars. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On attend ou pas? Ah, oh, ça me paraît pas mal d'attendre. Bougez pas. Ok, first aid et seringue. Max 3, j'en ai une. Est-ce que par hasard, on va pas se crafter des seringues? Vous en pensez quoi? D'ailleurs, quand on y pense, où on crafte des seringues, en fait? Fabrication, je suppose. Yes, seringue. 3 plantes, 5 plantes. Et j'ai combien de plantes? J'ai 4 plantes. Alors, est-ce que le mieux, c'est de faire 2 seringues? D'attendre de faire 2 seringues pour être complet? Ah bah de toute façon je peux avoir qu'une trousse de premier secours, ça me paraît pas mal. Ok, ok, on annule tout les gars, on annule tout. Bon, on fait quoi? On va voir. On va voir, on vient de sauvegarder. Allez, Odil, je me casse. On va voir les gars, il n'y a pas de souci. Ok, c'était par ici, hein. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai plus d'endurance, ça fait plaisir. Oh là 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 là, putain, et chaque monstre ici, comme par hasard, faut qu'il se trouve ici, ça, hein. Ça va pas du tout, Pépito, hein. Allez, il va se retourner, je vais prendre ce que je mérite, on va devoir courir. Il est totalement con. Et tu vas comme ça. Je cours après un putain de mec. Merde. Il court beaucoup trop vite. Allez. C'est ouf. Putain les gars, totalement trop vite celui-là. Ok. Est-ce que par hasard... Je vais voir O'Neill. Ah, le café est peut-être prêt les gars. Je lui ai demandé de me préparer le café pour quand j'arrive. On est juste à côté. Ah, on va faire des petits allers-retours, hein, tant qu'on n'a pas de vie et tout. J'ai pas envie d'utiliser des seringues là dès le début du jeu. Moi, ça me fait mal au cœur tout ça.
quand un café bien chaud t'attend juste à côté. Tu vois ce que je veux dire? Yes, le café est prêt, les gars. Allez, what else? On est parti. N'hésitez pas à boire une petite tasse de café en même temps. C'est la petite pause milieu de vidéo, les gars. 26 minutes, on est propre. Enfin, 25, à peu près. Allez. Merci, bébé. Ça fait plaisir. Je vais augmenter très rapidement ma vie, hein, je te le dis. Ok, on est parti. Y arriver, on va récupérer cette arme. Cette arme, apparemment, puissante. O'Neill, je me casse. Je sais pas c'est quoi. On verra. Si ça se trouve, c'est de la merde. C'est littéralement de la merde en boîte. C'est une boîte pleine de merde. Voilà. Allez, on va foncer là-haut, les gars. Normalement, il n'y a personne. Je m'en suis débarrassé. Mais il était pas là tout à l'heure, donc je comprends pas trop. Je comprends pas trop les spawns. Est-ce que c'est des spawns aléatoires? Est-ce que la vie mérite d'être vécue? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On va prendre la hache avant d'examiner, si ça vous gêne pas. Et maintenant, on va examiner. Ces choses entassent les corps ici. Et pourquoi? Bah pour se nourrir, en fait, non? Qu'est-ce qu'on a? Ok. La poudre à canon, je prends. Ça, on peut pas casser. On peut toujours pas. Oh, c'est bien fait aussi, ce système de hache. Ok. Ok, nous voici dans la petite banlieue de Bourg-Palette. Ok. Opérateur Mobius décédé. Balle de pistolet. Info? Juste en face. Ha! Vous êtes prêts? Oh putain, ça m'a fait peur. Le signal rebelle est par là. Là, il y a des balles de pistolet. Il donne toujours des balles pour que tu les utilises 2 secondes après. Regardez la porte. Ok, on doit fouiller cette maison maintenant. Donc vous savez quoi? On va prendre notre harpon. On va rentrer là-dedans, on va tout harponner, je vous le dis. Ok, 322 Cedar Avenue. Ok, bougez pas les gars. Je commence à avoir la bouche un petit peu pâteuse. Au moins, on a moyen de se défendre. On va peut-être utiliser... On va peut-être se faire 1-2 balles. Ça me paraît pas mal. Vous entendez? Il y a quelque chose dans cette maison de malfamé. Les gars. Je vais prendre ce que je mérite ou pas? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait la lampe ou un mec qui rompe, je ne sais pas. Ah! Ok! On va récupérer le pistolet. Oh putain, j'ai eu peur. Ok, yo les gars. Ordinateur pour y aller. Tu sais comment servir de l'ordinateur pour y aller? D'accord. Ils étaient splittés en deux. Le centre d'information? Mais pourquoi? J'ai dit aux survivants que j'ai trouvé d'aller là-bas et de s'y cacher. Il faut que je m'occupe d'eux. Tant que ce sont encore d'innocents citoyens effrayés, c'est plus facile de les tuer comme ça que d'attendre qu'ils se transforment en de ces choses. Pas con. D'accord, donc c'était des beaux bâtards. Hein. Les beaux bâtards comme on les aime. Ok, et là, comme par hasard, évidemment, il n'y a plus rien. Oh, quoi? Une trappe? C'est jamais bon. Dans un jeu d'horreur, une trappe, je vous le dis, ce n'est jamais bon. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dessous? Un bunker. C'est peut-être rassurant à l'idée que la personne soit encore vivante. Il y a quelqu'un, les gars. Ok, il y a l'ordi. Je sais pas du tout ce que ça fait qu'utiliser cet ordi. Peut-être pour se connecter au monde. Aller à Mall Armory, quoi? Cet ordinateur fonctionne toujours. Waouh!
Je contourne la matrice. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Des colonnes, ok. On peut y aller? Non. Je ne comprends pas. Attends. Et ça, c'est quoi? Ok, c'est rien. J'ai pas tout pigé à ce qui s'est passé là. Je vous rappelle que dans le stem, c'est la matrice, hein, les gars. Le stem, c'est terrible. Mais d'ailleurs, c'est quasi comme la matrice, mais c'est la matrice version enfer, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Nous voici donc à l'armurerie. D'accord. En fait, c'est une TP. C'est une TP, il n'y a pas une putain d'arme par ici. Si, putain. On a quelque chose. Et c'est des cartouches. Je prends. Mais où on est, là, les gars? Plan, point de sauvegarde, miroir, cafetière. Ça me fait plaisir. J'y vais. Ok. Les gars, je vous cache pas que j'ai la bouche pâteuse, hein. C'est entièrement gratuit. En plus, j'ai pris de quoi stabiliser. Attendez, on va économiser l'endurance. S'il faut courir nos grands morts, je courrai. Waouh. On est loin. On est loin. Waouh. Ok, donc il y a une ville souterraine en plus de ça. Les gars, ça se passe comment? Vous voulez ma mort ou... Ils veulent ma mort. Ils veulent clairement ma mort. Et ils vont l'avoir, ces petits cons. Ça, je pense que c'est des caisses qu'on peut fracasser au cut. Mais vous êtes totalement dingue. Oh là là, il doit avoir une sale haleine, hein, celle-là. Elle a un couteau par contre, c'est très intéressant. J'arriverai pas à temps, sa mère. C'est bon. Ok. Quoi? Allez, c'est bon, c'est chiant. Là, faut faire un effort, tu m'as cassé les couilles, je te le dis. Donc, un coup de couteau, ça affaiblit, ça s'arrête là. Fin du game. Elle avait un couteau, je peux pas le prendre, hein, évidemment. Oh là là, j'ai utilisé 2 balles de pistolet, je m'en veux. Je m'en veux tellement. Ok. Allez. Une petite caisse, faites-moi plaisir. Ah d'accord, je peux pas la prendre. Putain, on dirait une caisse de bois. On peut facilement casser, et là. Ah putain, ces caisses, on peut rien en faire. Oh, c'est terrible. C'est une souffrance, ça, les gars. On a fait qu'une petite pièce. Je sais pas où on va, je sais pas ce qu'on fait. Je sais juste que chaque pas de plus mène à l'enfer. Ah, il y a quelque chose de l'autre côté, là. Non, pas du tout. Ok. On va tracer calmement, hein. Écoutez, je sais pas. Je sais qu'il y a une planque de l'autre côté. Ok, ça a l'air safe là-dedans. Vas-y, madame. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ok. C'est compliqué. Ah, on vit une sacrée aventure, hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, putain. Ok, on va se fabriquer 2-3 petits trucs. Qu'est-ce qu'on peut se faire? On peut se faire un carreau. N'hésitez pas si vous avez des conseils. Pendant que je bégaye pas. Allez. Hop. Qu'est-ce que c'est? Un boucher? Boucherie charcuterie, ça sera pour 3 merguez, s'il vous plaît. Ah. Monsieur est fâché, je comprends. Monsieur n'a pas eu son petit déjeuner. Te relève pas, c'est pas le moment, cousin. On peut plus les tuer du premier coup, j'ai l'impression, là. Si, c'est bon. J'ai été de mauvaise foi. Je suis la nuit. Appelez-moi le Batman.
Ok, on a quoi derrière? Je fouille tout, hein. C'est bon, on est pas mal. Alors, pour se retourner rapidement, c'est quoi? D'accord, c'est R1 arrière. Ok. Ça, c'est vraiment pris de Resident Evil. C'est pas de Resident Evil, de toute façon, derrière, les mecs. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ce serait pas un petit boss, ça, par hasard? Un petit boss qui va nous mettre ce qu'on mérite? Examinez boîte à fusibles, observez, vous pouvez réalimenter temporairement en tirant un carreau électrique. Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça me ferait chier. Ok. Faites pivoter L et R pour ajuster la hauteur et la largeur de l'onde verte jusqu'à ce qu'elle corresponde à la rouge. D'accord. Ah, ok. Déverrouiller. D'accord. Alors, s'il faut faire ça avec des méchants derrière... Mobius. Oh putain. Ça me plaît, les caisses comme ça, les gars. Ça me plaît. Ça me plaît énormément. Vas-y, fais-moi rêver, bébé. Oh là là. Ça me plaît. C'est là qu'on retrouve notre Sebastian Castellanos. Ça, c'est pas de refus. Ah ouais, clairement, mon petit pote. Et quoi, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oh là là là, il nous régale, on nous gâte, on nous gâte. Là, je vais pouvoir aller faire la femme avec un petit peu plus de, tu vois ce que je veux dire, de conviction, n'est-ce pas? Yes, oh là 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 là, les mecs, c'est beau ça. 10 contre 1 qu'en faisant machine arrière, on va se faire arracher nos grands morts. C'est beaucoup trop loin la planque là. Là, les gars, je sais pas où on est. On reviendra, tout simplement. On a été récupérer le fusil à pompe, c'est tout ce qui m'importait. Quoi? Je suis mort? Bah en fait je suis détecté. Non c'est bon. Putain. Je me doutais que ça serait forcément compliqué. Tu vas rester là en fait? Je comprends pas là. C'est un sketch que tu nous fais là? Ok. Ok, mais alors pourquoi ça avait pas one shot tout à l'heure la meuf qui avait un couteau là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas trop. On va pouvoir partir, c'est bon ça. On récupère un maximum de gel. On a un fusil à pompe, je suis très heureux. Les gars, je suis un homme heureux pour cet épisode. J'ai bien envie, prochain épisode, de retenter la jeune demoiselle. Oh, putain, en plus c'est des cartes. Ok. C'est pas mal. J'ai bien envie, prochain épisode, de retenter la femme là. Qui gardait la pièce de snipe. Ça peut être pas mal. Enfin, peut-être y a les molos qu'on ouvre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je cours pour ma putain de vie de merde. Ni une ni deux, les gars. Il m'en faut pas... T'as pigé, quoi. T'as pigé. Ok. C'est bon. C'est bon, il me voit plus. Je suis plus cramé. Normalement, on peut réutiliser l'ordinateur. On va se re-TP. On va aller à la planque d'O'Neill. D'accord, les potes, on est cool là. Hein. On est méga cool. Hein. Ok, donc on peut se TP à travers les ordinateurs. C'est vraiment Matrix. Ah. Et oui, il faut vraiment tout fouiller en fait. Là, c'est bon, vous êtes satisfaits, les gars? Eh, je me régale. Je me régale et je vous régale. Allez, on va utiliser ce PC. C'est compliqué. Hein. Le jeu est dur, les gars. Le jeu est dur, on ne cessera de le répéter. Hein. 40 minutes, deuxième sortie nocturne. Mais. On avait, lors de la précédente sortie nocturne, récupéré un sniper. Et là... Ah, d'accord, les piliers de métal, c'est pour dire sous-sol. Les arbres, c'est pour dire... D'accord, c'est un chargement, c'est pour dire la ville. Mais, comme je vous disais, excusez-moi de cette petite inattention. On a, par contre, récupéré un fusil à pompe sur cet épisode. L'épisode précédent, un sniper, certes cassé, mais c'est un sniper quand même. C'est une moitié de sniper. Inutilisable pour le moment, mais faites-moi confiance, prochain épisode avec le pompe, on va arracher tout le bordel parce que là, ça va la comédie. Hein. Ah là là, ça fait plaisir, je suis content les amis, je suis content. On va s'arrêter là, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, je vais aller sauvegarder à la planque d'O'Neill. Je pense que vous vous en foutez de voir le trajet retour, normalement il devrait rien se passer. Je vous fais des bisous, les chargements sont un peu longs, portez-vous bien les gars,
Et on se retrouve très très vite pour notre épisode 5. On avance petit à petit. Vous savez ce qu'on dit, l'oiseau fait son nid. Allez, bisous tout le monde.